Bonjour à toutes, je vous retrouve cette semaine pour un nail art sur angle court puisque j'ai tout coupé. Donc j'ai utilisé des couleurs un petit peu gaies parce que ce ton gris je n'en peux plus comme tout le monde je pense. Donc j'ai utilisé un vernis rose et un vernis orangé que j'ai appliqué en bande sur mon ongle, donc un de chaque côté. J'ai divisé mon ongle en deux et j'ai fait une bande de chaque couleur. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le pinceau du flacon, vous pouvez le faire au pinceau de détail et ensuite venir remplir les vides de chaque côté ou bien mettre une bande de stripping tape au milieu pour bien avoir la délimitation. Donc bien sûr j'applique ça en deux couches. Ce n'est pas grave si au niveau des cuticules c'est pas très net puisqu'ensuite on va venir combler tout ça donc ça ne se verra plus. Une fois que j'ai terminé mes deux couches, je vais attraper un vernis pailleté. Donc vous pouvez prendre n'importe quel vernis, vous pouvez également prendre des paillettes en poudre et les coller avec un petit peu de top coat. Ici j'ai choisi un vernis pailleté doré avec plein de différents reflets et c'est un ruby wing donc il devient un petit peu plus rouge sous les rayons des UV. Autant vous dire que là il ne va pas devenir rouge avec ce temps là. Donc je prends un pinceau de détail abîmé et pas de bonne qualité et je vais venir tracer comme ça mes triangles au niveau de la cuticule en mettant la pointe au niveau du milieu de mes bandes. Et voilà, c'est déjà terminé, il ne me reste plus qu'à appliquer une couche de top coat, ça va permettre de bien lisser le motif et de protéger votre nail art plus longtemps. J'espère que cette déco assez simple et rapide à faire et sans beaucoup de matériel vous aura plu. Moi j'ai beaucoup aimé la portée, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tuto. À bientôt !